Parti de Porto Vecchio, à travers des chemins de terre, mon premier rendez-vous sera avec la pluie. Après une demi-heure d'attente, je reprends ma route sur Zivaco, qui sera sans doute ma première étape. En Corse, il n'est pas rare de rencontrer des animaux en liberté comme ici. Le cochon est roi, il est chez lui, c'est le véhicule qui s'arrête pour le laisser passer. Les vaches vivent au bord de la route et meurent au bord du trottoir. Spectaculaire cet abattoir qui a l'air improvisé dans ce village. J'ai bien sûr demandé si je pouvais les filmer. Ils m'ont répondu oui. Comme cela, vous pourrez montrer des Corses qui travaillent. Près de 100 km, j'arrive à Porto. J'en bois un petit et vais me coucher. Buona notte. Derrière cette grosse tête qui ressemble à un chien se trouvent les calanques de Piana. C'est beau,
C'est très beau. Et je me demande si cela n'est pas encore plus depuis la mer en bateau. À Ajaccio, devant la mairie, un groupe de CRS surveille l'entrée. En interrogeant l'un d'eux, j'apprends qu'ils attendent Alain Juppé. Tiens, me dis-je, je n'ai pas encore vu un premier ministre de près. Pourquoi pas lui ? Il n'est pas rare de traverser ces collines laissées noires après le passage d'un incendie, ni de rencontrer des pompiers. Mais pendant ces 4 jours, je n'ai pas vu de fumée, ni d'Indiens non plus. Elle est chaude, mais ça fait du bien quand même. Bon. Il faut prendre la route. Voilà Bonifacio, encore une 15aine de kilomètres et c'est le retour à Porto Vecchio. Ce qu'il me restera comme souvenir, des animaux en liberté, un paysage parfois helvétique comme ces panneaux qui ressemblent à du gruyère que j'ai rencontré tout au long de ma route.